bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le spoiler de la Glossy Box du mois d'été. C'est une édition limitée. Après vous avoir dévoilé le contenu de la My Little Box pour l'été 2022, leur édition limitée à eux, eh bien je vais vous spoiler celle de la Glossy Box qui eux aussi ont décidé de faire une édition limitée pour cet été pour un peu nous projeter vers les vacances justement. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous partez en vacances et où. Allez, faites-moi rêver, nous on part très prochainement dans le sud de la France. Pour ce qui est donc de cette fameuse Glossy Box qui va y avoir en édition limitée et qui sera disponible à partir de ce vendredi, ils sont en fait un peu en collaboration avec The Flight Leco. Alors je m'excuse pour la prononciation, mais comme vous le savez, mon anglais c'est vraiment pas du tout mon fort. À l'intérieur de cette fameuse box, vous allez pouvoir retrouver 10 super produits de beauté qui, comme dit, va vraiment vous projeter vers l'été, cette saison qui arrive très bientôt. À l'intérieur, il y aura une valeur de produits de plus de 120 €. Je pense que vous allez entendre bébé tout au long de la vidéo, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude à force. Donc oui, effectivement, il y aura 120 € de produits à l'intérieur et donc 10 produits en total. Comparé à la My Little Box, leur édition limitée à eux, où on retrouve que 4 produits, là en l'occurrence il y en aura 10, donc ils sont un peu plus généreux. Donc on va passer de suite au petit contenu de cette box. Tout d'abord, cette box elle va se présenter dans une jolie petite trousse. Je vous affiche une photo bien entendu, donc elle est de couleur blanche, bon, relativement assez simple quand même, avec des petits feuillages, mais je la trouve quand même très mignonne. Je sais pas ce que vous en pensez. Concernant les produits, donc tout d'abord il y aura de la marque Frank Body un baume à lèvres hydratant, donc qui va permettre justement d'hydrater et de protéger vos lèvres. Ce baume multi-usage peut également exercer sa magie sur vos cuticules, vos sourcils et toutes les zones sèches. Donc franchement super ce produit là parce que vous pouvez l'utiliser à plusieurs endroits. Moi j'adore les petits produits de beauté qui sont un peu multi-usage, je trouve ça hyper pratique. Donc il va réparer tout ce qui est lèvres gercées pour également vous redonner des lèvres pulpeuses, mais également les hydrater. Donc c'est un produit qui est vraiment pas mal. Le prochain produit qu'il y aura à l'intérieur, c'est de la marque Odile Le Coin Or Gemme. C'est en fait une crème de jour. Donc elle va permettre l'effet à base d'acide hyaluronique et le fucogel. Donc ceci va permettre en fait de restaurer la capacité d'hydratation de votre peau et également de renforcer sa fonction protectrice. Donc franchement, crème de jour également très sympa et c'est une marque que j'entends beaucoup parler, bien que je ne l'ai pas encore testée. Donc pourquoi pas. Donc elle va également permettre de protéger toute la journée, vous savez, contre tout ce qui est agression extérieure, tout en dévoilant un fini doux au toucher apparemment. Donc produit qui est également plutôt pas mal et il me semble que ce produit là c'est vraiment très rare que vous les recevez dans les box beauté. Moi j'aime pas trop quand vous avez des produits qui reviennent sans cesse en fait, donc c'est vrai que celui-ci c'est vraiment très rare effectivement qu'on le retrouve. Ensuite, une marque que j'aime beaucoup et dont j'ai déjà pu tester leur shampoing il me semble, c'est de la marque Bubble and Bubble. C'est une huile brillance multi-bénéfice, donc c'est Air Dresser Invisible Oil, donc c'est en fait une huile effectivement. Donc c'est vraiment très pratique ce produit là pour toutes celles qui ont les cheveux crépus et qui va justement protéger votre cheveu contre tout ce qui est chaleur, les UV. Donc produit très intéressant. Il va également nourrir vos cheveux, les adoucir, les hydrater et dompter tout ce qui est frisottis. Donc les cheveux vont avoir une santé un peu plus nette, j'ai envie de vous dire, ils vont vraiment soigner votre cheveu. Donc franchement c'est un produit qui est vraiment très intéressant pour toutes celles qui ont les cheveux crépus effectivement et qui peuvent être très difficiles en fait à discipliner. Donc également un produit intéressant je trouve. Ensuite le prochain produit c'est de la marque Skin Division, c'est un mascara, c'est le Lay Shade Up. Donc il a une formule crémeuse ce mascara, il va envelopper vos cils pour un regard plus audacieux sans créer de paquets et sans dessécher. Moi je déteste les mascaras que vous appliquez sur vos cils et qui donnent des effets de paquets,
Enfin, franchement, je trouve ça juste très très moche. Donc celui-ci, apparemment, c'est pas le cas. Il a une brosse au design assez spécial en fait, donc il a des poils décalés qui vont justement permettre de s'accrocher à la racine de vos cils et de leur donner ainsi plus de volume et de longueur. Et il a également une formule résistante à l'eau, donc ça c'est idéal justement pour l'été si vous allez vous baigner ou autre, voilà, pour tout ce qui est éclaboussure, voilà, les enfants qui font des bombes à eau, on connaît, et il suffit juste que vous allez juste appliquer du mascara. Le mascara qui dégouline, c'est pas très très sympa. Donc il a un peu un effet waterproof. Ensuite, le prochain produit, c'est de la marque Palmer. C'est l'huile de coco, lait hydratant corps. Alors là, par contre, ce produit-là, je suis un peu moins fan. Dans le sens, pas qu'il n'est pas bien, mais dans le sens où je trouve qu'on le reçoit très très régulièrement dans tout ce qui est box été justement. Donc là, justement, c'est vraiment du vu et du revu, je trouve. Au bout d'un moment, c'est bon, ce lait hydratant, on le connaît tout, je suis certaine. Enfin voilà, après certaines s'en lassent peut-être pas, mais moi franchement ce produit là m'intéresserait vraiment pas, voilà. Enfin voilà, je connais, c'est en fait ça. Donc en fait il va permettre justement d'hydrater en profondeur, donc il a une formule légère. C'est une lotion qui pénètre rapidement dans la peau sans laisser de résidus collants, effectivement. Il est infusé de l'huile de coco et de monoï. Moi j'adore les produits de beauté à base de monoï, surtout en été, c'est vraiment mes produits chouchous. Et justement, il va offrir à votre peau un soin intense qui va rester hydraté à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à ce que vous exposez au soleil. Donc franchement, en soi, c'est un produit pas mal. Mais ouais, comme dit, moi, c'est le vu et le revu qui me dérange. Voilà, au bout d'un moment, toujours proposer les mêmes produits de beauté dans les box d'été, ça va 5 minutes, je trouve. Ensuite, à l'intérieur de cette box en édition limitée, vous allez pouvoir retrouver de la marque Davins. C'est le shampoing de beauté absolu. Donc, il va permettre de garder vos cheveux doux et soyeux. Il a un côté adoucissant grâce à l'huile de roucou riche en antioxydants. Cette formule renforce l'hydratation naturelle de vos cheveux et les protège contre les agressions extérieures. Donc de plus, c'est un shampoing laiteux qui va permettre de démêler votre cheveu pour leur laisser une sensation de douceur et de volume. Il me semble que j'ai déjà testé un produit de cette marque-là. Maintenant, je n'ai plus le souvenir si c'est exactement celui-ci. Franchement, je m'en souviens pas du tout. C'est vrai, en même temps, je teste tellement de produits de beauté qu'au bout d'un moment, je ne sais même plus ce que j'ai déjà testé et ce que j'ai pas testé, encore plus quand j'ai pas le produit entre mes mains. Donc c'est un peu compliqué, mais il me semble que ce shampoing là, je l'ai déjà testé. Je vais juste regarder si j'ai un petit visuel du produit, peut-être que je vais m'en rappeler. Non, je crois que c'était pas ce produit là que j'ai de cette... ouais, il me semble que non, au final je crois que je n'ai pas encore testé leur shampoing là. Je crois que c'est un autre produit de chez eux que j'avais testé justement. Ensuite, vous allez pouvoir retrouver de la marque Glove. C'est les cotons démaquillants réutilisables. Alors ça, c'est toujours hyper pratique. Moi je trouve qu'on n'en a jamais assez. Donc bon, en soi pareil, ça c'est également un produit qu'on voit et qu'on revoit dans les box beauté, c'est vrai. Mais moi je trouve que les cotons réutilisables, franchement, ça sert toujours. Enfin, personnellement, c'est vraiment ça que j'utilise pour me démaquiller. Donc, je dis pas non. Donc, il est fabriqué en microfibre ultra douce. Donc, c'est des disques nettoyants qui va éliminer en douceur tout ce qui est maquillage tenace, les résidus et les impuretés. Bon, en soi, c'est un petit accessoire qui reste pas mal également. Donc, ça à glisser dans vos sacs de voyage, comme dit, c'est vraiment très très utile. Ensuite, vous aurez de la marque Bloomy, c'est le blush crème Oh La La Suite Pêche. Donc celui-ci, il me semble que je l'ai déjà reçu dans une box beauté et je suis quasiment certaine. Alors moi déjà, je suis pas très fan de tout ce qui est blush à crème. Voilà, donc je suis pas hyper emballée moi par ce produit-là. Donc il a une teinte corail naturelle, donc ce fard à joues va créer un éclat naturel. Que vous choisissez un maquillage léger ou intense, grâce à sa formule modulable, ce fard à joues se fond dans votre peau pour créer la teinte la plus naturelle possible. Bon, moi, comme dit, je suis vraiment pas emballée par ce genre de produit. Moi, je suis plus blush, vous savez, à poudre que blush à texture crème. Mais bon, après, pourquoi pas. Ensuite, le prochain produit, c'est de la marque The Body Crop. C'est un gel à sourcils. Ça paraît, je trouve qu'on reçoit très très régulièrement des gels à sourcils. Peut-être pas forcément de cette marque-là, mais au bout d'un moment, les gels à sourcils,
Ça va, surtout que vous en mettez pas des tonnes non plus, donc vous en avez quand même pour un sacré moment avec votre gel à sourcils. Donc si vous en recevez régulièrement de votre box, au bout d'un moment, et ben vous avez quand même un sacré stock. Donc c'est un gel à sourcils qui est parfait pour donner de la forme à vos sourcils de la façon la plus naturelle possible. Que vous l'utilisez seul ou par-dessus un crayon, décidément il est bien déchaîné. Vous êtes certain que vos sourcils seront impeccables. Il est formulé avec des ingrédients clés tels que l'huile de ricin, ça c'est vraiment top, les produits à base d'huile de ricin, pour favoriser la croissance des poils et de la vitamine E pour les nourrir. Il va vous offrir des sourcils fournis et brillants, franchement vous allez briller de mille feux niveau sourcils, j'ai envie de dire. Ensuite, le prochain produit, et ça pareil, c'est un produit que je trouve qu'on retrouve régulièrement dans les box d'été justement. C'est de la marque 71%, c'est la crème solaire Eco Sun Shield. Et ça, c'est un produit, ouais, effectivement, qu'on retrouve sans cesse, je trouve. Donc, c'est un petit indispensable. Effectivement, ça sert toujours en été. Donc, c'est une crème solaire qui a une protection de SPF 50+, qui garantit justement la protection de votre peau au maximum des rayons UV du soleil. Cet écran peut être utilisé sur une peau humide ou sèche car il est justement résistant à l'eau. Et donc voilà concernant l'édition limitée de chez Glossybox pour cet été 2022. Maintenant dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous allez l'acheter ou non. Pour ma part ça ne sera pas le cas parce que tout simplement certains produits qui sont à l'intérieur ne m'intéressent pas vraiment. C'est des produits que je connais déjà et comme je vous l'ai dit c'est des produits que je trouve qu'on retrouve également bien souvent dans les box beauté, surtout si vous êtes abonné à plusieurs box. Donc voilà, moi je m'abonne pas à une édition limitée pour réavoir des produits. Donc pour ma part, ça sera pas le cas, je vais pas l'acheter. Maintenant, j'attends tous vos petits commentaires. Comme dit, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça me fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires également. Et puis, celles qui ne sont pas abonnées à ma chaîne YouTube, faites-le, c'est entièrement gratuit, ça vous engage à rien. Et je vais vous retrouver très très vite pour un nouveau spoiler d'une box beauté, du moins je suppose. D'autant plus que je pense que d'ici le mois d'août, les spoilers concernant les calendriers de l'Avent beauté vont arriver très très prochainement. Donc si ce genre de contenu vous intéresse également, eh ben vous êtes vraiment les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et à très vite.